Salut à tous les passionnés. Voilà, en ce moment je fais pas mal de vidéos sur des véhicules assez rares, mythiques. Voilà, donc celle-là elle est pas très connue. À moins que vous connaissiez, tant mieux. Si vous connaissez, tant mieux. Je la connaissais pas. Donc c'est l'Audi 100, le modèle CA, et là c'est le modèle coupé. Voilà, donc la production c'est entre 1968-1977. Donc c'est. Il y a plusieurs modèles, un litre 6 et un litre 9, il y a les coupés et les berlines. Voilà. Voilà. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, si on peut voir le reste. Dans les descriptions, en fait, hein, on va faire le descriptif comme on fait à chaque vidéo. Et... Voilà. Donc là on est sur la fiche technique. Donc vous voyez, là c'est l'Audi 100 CA, le modèle coupé. Et celui-là il est de 1970. Donc c'est essence, le poids. 1 tonne 100, ce qui est relativement correct, hein. C'est des voitures allemandes, faut pas oublier, c'est toujours plus lourd, les normes sont pas les mêmes. Motorisation 4 cylindres en ligne, soupape non communiquée. Bon, ça par contre c'est un peu bête. Cylindre 1871 cm3, deux carburateurs inversés Solex. Bon, c'est souvent le cas, les carburateurs c'est souvent des Solex, enfin de cette époque. 115 chevaux, 160 Nm de couple. Roue motrice, roue avant, hein, c'est moteur avant et traction. Voilà. Direction crémaillère, disque avant et tambour à l'arrière. Bon, ce qui est un peu normal dans ces périodes. Roue train avant, roue indépendante, système McPherson, ressort à l'épaule, amortisseur, barre stable, normal, essuie torsion, brôle longitudinaux, barre panard, amortisseur. Bon. Tout ça reste normal. Alors, longueur 4,40, largeur 1,75 m, hauteur 1,37 m, empattement 2,56 m. 256 cm, 2,56 m. Poids vide, on l'a dit, 1100 kg, vitesse maximum 185 km/h, ce qui est plutôt pas mal à cette époque. 0 à 100 en 11 secondes. Consommation non communiquée, on va peut-être le trouver après. Voilà. Voilà, donc là ici on voit un peu les différents modèles. Voilà, donc là ici on a l'Audi 100 GL. Ici on a l'Audi 100 CS. Hein. Voilà, donc là on a les empattements. Voilà, on l'avait déjà fait. Voilà, donc là on a un peu les modèles avec les cylindres et les chevaux. Donc l'Audi 100, toute simple, 80 chevaux, la 100S 90 chevaux, la 100LS 100 chevaux, la 100 JL et 100 coupé 112 chevaux. Donc c'est 112 chevaux, c'est les 1 litre 9. Hein. Donc là on est sur les 1 litre 6, les Audi 100. Donc après ça a été remplacé par la C2. Et nous on va juste voir la C1. Voilà, donc là ici dans Wikipédia, il marque bien que le nom de la voiture est issu de la puissance de son moteur, l'Audi 100 100 chevaux. Alors, franchement, je suis en train de regarder sur le Leboncoin en même temps pour vous montrer, et je trouve les prix, c'est hallucinant quoi. Bon, là c'est l'Audi 50, l'Audi 100, 300 euros. C'est fou, je trouve. Là, l'Audi 100, c'est le modèle après ça. Il n'y en a pas des masses. Merci. Je trouve qu'il n'y en a pas des masses en fait. Il n'y en a même pas. Là. Une 100 GL, voilà, 1972, on est dans les bonnes années.
que c'est le dernier modèle, celui-là. Boîte automatique, mais bon, je crois qu'ils ont juste pas réglé ça. On va regarder un peu. 9 999 €. Alors, les photos. Elle est propre. Ça semble même un peu bizarre. Voilà, vous avez vu le tableau de bord en bois. Donc c'est sûrement du noyé ou je sais pas trop. On regarde un peu. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que les autres, c'est les modèles après. Donc on voit 1992. La première, c'est celle qu'on vient de voir. Il n'y en a pas des masses. Hein. Voilà, donc là j'étais sur les anciennes.com. Donc là on voit l'Audi 100S coupé. Donc c'est le modèle coupé. Hein. Le 112 chevaux. Voilà. Donc elle est à 20 000 €. Regarde un peu. Là on est dans le plus raisonnable. Regarde un peu les photos. Vous voyez, hein, toujours tableau de bord en bois. Après, je sais pas c'est quoi exactement le bois. Je peux vous dire des bêtises. D'ailleurs, cuir. Hein, en cuir. Non, tissu. Voilà le moteur. Hein. Voilà. Plutôt pas mal, 20 000 €. Elle a 54 000 km. Elle est toute jeune. Quelques petits problèmes électriques ne demande qu'à rouler. Dernier contrôle 2016. Ça va. On va regarder s'il n'y en a pas une autre. Un autre modèle surtout. On aura toujours le S coupé. À restaurer, moteur non bloqué, intérieur à refaire, carrosserie à revoir. Livraison possible. Voilà. Ici, celle-là elle est belle. Elle a été restaurée. T9, elle est belle. Il y a même les papiers avec la documentation, intérieur tissu, mais propre, très très propre. Ah ouais. Moteur, ça va, c'est propre. Ici aussi, donc là c'est l'Audi 100 GL, elle est à 14 500. Elle est propre, elle vient être entretenue, même restaurée je pense. 1976, et c'est à la fin, après ils ont arrêté de les produire. Regardez la description du véhicule. Regardez s'il y a autre chose ici. C'est un GL automatique, elle est à 2 500 €. Bon, il y a un petit peu de boulot là. Là, regardez ça de plus près. Waouh, là il y a du boulot en carrosserie. Hein. Je suis pas sûr que c'est sauvable parce que là, tout ça c'est piqueté, c'est rouillé, c'est mort. Donc sûrement la même pare-brise aussi. Waouh. On dirait... je sais pas, il y a du dégât là-dessus. Là, il y a du dégât. Il manque des pièces. Il y a du boulot. Les 2 500 €, quoi. 100 000 km. Regardez ici autre chose. On était là. Modèle coupé, hein. 6 000. Les belles, alors. Vraiment belles. Regardez un peu les dégâts. Alors.
passé. Ouais, c'est percé. Sinon, l'extérieur a l'air pas mal. Et là, à mon avis, c'est un défaut. C'est le même défaut que sur l'autre d'avant. Voilà, tout le capot est rouillé. Je pense que le capot est à changer. Est-ce que les pièces sont encore dispo? Là aussi, oh là là. Il m'a l'air d'avoir pas mal de mastic sur la carrosserie. L'épaisseur, elle a l'air très. Voilà, il y a des trous, mais c'est vu l'époque, c'est normal. Et là, ça a encore été mastiqué et ça n'a pas l'air très très bien fait. Il y a énormément de problèmes là-dessus. Je pense qu'ils ont voulu faire, les anciens propriétaires, ils ont voulu faire du visuel. C'est très mal fait. Donc on est bon, coupé rouge. Voilà. On va regarder s'il y a une dernière. Pas le défaut là sur le capot. Au niveau finition, elle est bien faite. C'est un coupé S. Intérieur, moitié cuir bleu et tissu. Oh, il est propre. Ah, il est propre. Tout est nickel. Jusqu'aux vitres du compteur. Moteur nickel, un peu huileux ici, tout est propre. On était sur l'Audi A100, bon là c'était l'Audi 100 CA, le modèle F105, donc le coupé. Voilà, donc c'était produit de 1968 à 1977. En tout, tous les modèles CA confondus, il y a eu 827 474 exemplaires. Du 1.6 ou 1.9. Voilà. Longueur 4,62 m, largeur 1,72 m. Ça c'est pour le modèle berline. Et ça la hauteur 1,42 m. Donc 100 chevaux pour ce modèle la berline et 112 pour le coupé S. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez-moi un max de pouces, ça fait super plaisir. Allez, let's go, salut.